Allez, on est reparti pour la mission suivante, toujours sur Alien Rage. Bien ou re-bienvenue à vous. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas sur le live, hein, bien sûr. Donc un jeu FPS assez barbare, assez futuriste, où on défonce de l'alien, on réfléchit pas, on détruit tout ce qui bouge, hein, de toute façon on nous l'a dit. Avec une IA qui nous sert de coach. Voilà, un petit jeu assez sympathique, assez joli. Et donc cette fois-ci, là, ça va être de la pure découverte. Ah voilà, eux aussi ils bousillent tout. Alors il faut qu'on aille vers la station de pumping. Ah oui, pumping. Comment je fais ça moi? Alors j'ai pas fait exprès, j'ai tiré là-bas au bout, je crois qu'il y avait un mec, hein, j'ai tiré sans faire exprès. Voilà, un accident comme toujours, et j'ai buté le mec qui était devant moi. Y'a un mec, je t'ai vu. Ah non, ça fait pas péter ça. Croyez. Ah, y'a même deux mecs. Oh. Bon, ils ont l'air assez débiles, hein. Ils foncent vers nous. Ça aussi, c'est un point du jeu que j'avais lu. Je veux dire, si on vient pas, c'est eux qui viennent. Donc il n'y a plus qu'à les attendre. Hein. Ah, j'ai pas eu la tête comme ça. J'ai bien tenté la petite rafale à l'horizontale. Voilà, là ça a marché. Bon, ça a pas marché de droite à gauche, mais de gauche à droite, ça a marché. Ou l'inverse, je ne sais plus. Non, je pense que c'était l'inverse. Voilà, ça marche, il n'y a plus qu'à les cueillir. Comme des petites fleurs. Bon, les musiques sont assez sont dans l'ambiance, mais elles sont assez anecdotiques, je trouve, personnellement. C'est mon avis. Je les trouve pas exceptionnelles. Voilà, chaud comme ça si on me demande. Ah, si on me demande pas, bah tant pis. Par contre, des fois, il y a des petits lags, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que le jeu essaie de recharger quelque chose. Alors, on nous dit d'aller par là. Je sais pas si on peut faire péter ces trucs. Fais gaffe aux mecs qui peuvent pop, hein. Et puis, on n'a pas vu tout encore. Là, il y a des balles. Je crois que c'est ça, normalement. Hein. Voilà, si j'ai capté. On sait encore avoir des. Des rapports et des. Ah oui, on fait tout péter, hein, c'est vrai. Barbar time. Alors là, ça tire. Les mecs, ils m'ont pas encore vu. Hein. Il y a des trucs qui s'ouvrent et tout. Les mecs, ils me bourrinent la gueule. Voilà, c'est cash. Salut! Voilà, headshot. Ah merde, y'a un mec qui me tape dans le dos. La saloperie. Voilà, il est coincé. Mongoloïde. Il m'avait carotté le mec et non. Voilà, j'ai tout fait péter, j'ai pas fait exprès encore une fois. Ah mais c'est quoi ça? Non mais la grenade, elle me touche à travers. Ah mais elles sont violentes leurs armes quand même. Ah mais ça j'avais lu, les mecs ils rigolent pas. Il y a un mec juste là. Non moi je veux... C'est celui qui est là. Ah, ils sont deux. Ah ouais, il y a l'autre qui attend bêtement derrière dans son dos. Normal, la gratuité. Putain, j'ai l'impression moi je me fais grenader ou je sais pas ce qu'on me balance. Mais les mecs, ils y vont pas comme ça. Ok, et une tourelle. Ah, on pouvait courir et glisser normalement. Je sais plus comment on fait ça. Je m'en rappelle plus. Ah oui, c'était comme ça.
Ah mais elle rigole pas la tourelle. Sérieux? Ah putain, il y a un mec en plus dans mon dos. Si tu veux bien crever, me laisser tranquille. Sérieusement quoi. Mais elle a pas l'air auto la tourelle, il y avait l'air d'avoir un mec derrière, non? C'est pas ça le délire? Là, il y a un mec qui m'attend. Je croyais qu'il était au-dessus, ce con. Voilà, si tu veux bien dégager une petite lapée, on va plus avoir de balles. Bah ouais, elle a l'air d'avoir rien à voir auto cette tourelle. Allez, on va prendre leurs armes. Est-ce qu'on peut utiliser leur tourelle, tiens? On a l'air, hein. Ah, je l'ai piqué, carrément. Ça a l'air bien, ça. Ouais, non, mais on fait tout péter. Là, on arrive à un stade, on rigole plus. Leur monde fournit de l'armement de barbare, voilà. M'en sert. Je sais même pas où je vise, c'est vu à peu près. Il reste un mec. Deux. Ah, j'arrive à faire des headshots avec ça. Ça, je sais pas ce que c'est. Voilà, ça détruit tout. Ah, y'a un mec invisible, pardon. Excusez-moi. Ah, je vous avais pas vu. Et les mecs, c'est pas mon moment de pop avec ce que j'ai dans les mains. Ça sert clairement à rien. Vous mettez vos vies en danger. Par contre, pour viser, c'est pas terrible cette arme. On est d'accord. Y a pas d'armes secondaires sur ça? Tu veux bien te calmer? Il restait un mec, me semble-t-il. Je n'ai point rêvé. Là, il y a un mec qui a pop, par contre. Même deux. Ça, c'est très perturbant, ce tir qu'ils utilisent. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, j'aurais pu faire péter là. Bon, je crois qu'on a récupéré des balles. Regarde s'il n'y a pas des petits trucs cachés en passant aussi. Couillon, hein. Voilà. Je veux dire, autant prendre notre temps. Hein. Le jeu fait 5 heures, moi je sais que je peux en passer 6 ou 7. Alors voilà, c'est gratuit. Voilà, ça donne des points, c'est gratuit aussi. Non, on peut pas. Ah oui, c'est vrai que c'est le jeu où t'as une super armure de ouf et tout, le truc exosquelette de la mort qui tue. Mais tu fais des bonds de 2 cm. Oh, ce truc. Ah non, mais ça, c'est relou, quoi. Voilà, moi aussi, je l'ai. Déconnez pas les montres. Alors il y a des mecs, voilà, que je les détruis cash. Ah, même pas le headshot comme ça quand il est à terre. Chut, calmez-vous. Je vous veux du mal, pardon. Je veux vous du mal, non, c'est pas très français comme phrase. Voilà. On va pas se mentir. J'essaye de gratter un peu des points, je regarde s'il n'y a pas des trucs. Toujours, voilà, là il y a des balles.
J'ai vu encore aucun rapport, aucun truc bonus. Après, ça me saute peut-être pas aux yeux. Comme il y a beaucoup d'actions, voilà, c'est peut-être ça aussi des fois. Là, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui bougent en plus dans le coin. Non, ça a l'air d'être bon. On continue sur notre lancée. Alors là, faire gaffe, il y a des trous. On se croirait dans République Commando. Il y avait une phase légèrement comme ça. Ah, j'ai réussi à le faire tirer n'importe comment, le mec. Eh ouais. Ouais, je pense qu'on est dans le truc de pompage. Ça ressemble à une grande cuve, le truc à gauche. Ah non, relou. Chut, calme-toi bien. Ah ouais, tiens, je l'avais pas, ça. Ah, on a récupéré des balles. Des bastos, des bastos. Ah, je sais pas comment on fait pour avoir des trucs. Ok, lui, on s'en est débarrassé, le plus chiant des deux. Voilà. Mais c'est que ça court vite, ces drôles de bêtes. Le mec, il avait déjà fait le tour. Moi, je prends ça. Ça, c'était de la balle. Car soyons clairs. Ah, j'aurais pu faire tout sauter en fait. Moi je dis le minigun c'est la vie. Bon, ça vise genre mon cul sur la commode, mais ça fait du carnage. Là il y a un bonus. Là on est d'accord. Moi je vois un truc vert, voilà, c'est ce que je cherche. Hein. Je cherche pas plus loin, je sais pas s'il y a d'autres couleurs, s'il y a d'autres trucs. Je m'arrête à ça. Allez, on prend l'élévateur. Briefing stated a forest science team was stationed here alongside infantry. The grunts are still here. So where are the eggheads? Le reste, elles sont où les intégrés? Ah ouais, non, mais pour comprendre ce qui s'est passé, faut que je ramasse les rapports. Bah, j'espère qu'il y en a d'autres parce que j'en ai pas trouvé. Calme-toi bien. Voilà, bien sûr, on n'a pas des cachets avant de quitter l'endroit. Pardon. Ah, mais le truc, ça tire à 1 km, quoi. Tu croyais quoi? J'allais venir, c'était le Club Med. Mais pas du tout. Alors, on peut pas y aller. Là, est-ce qu'il y a des mecs? Je regarde par avance, hein. Alors, franchement, les rapports, je sais pas où ils sont. Ça, j'ai pas confiance, les araignées. Je sais pas s'il vaut mieux les buter ou pas. Voilà, perso, c'est une question de précaution. Alors la porte qui s'ouvre comme ça, je suis pas fan. Voilà, j'ai encore tout fait péter, j'ai pas fait exprès, je fais des headshots. Voilà, le jeu où tu fais pas exprès. Sympa l'endroit. Qu'est-ce que c'est que ça? Une porte. En gros, tu peux rentrer seulement si t'as des mains.
ça le truc. Ah, je me disais bien que vous pouvez tout faire péter. Double kill. Fucking rat maze. Where to now? In 50 meters, turn right. Mais lol. Un foutage de gueule. I'm just kidding. It's buzzing like a beehive up ahead. I'm picking up multiple heat signatures. Hit the control override on that panel and brace yourself. Eh ben si c'est le cas, on va juste les attendre ici, pépère. Waouh. Ah, les mecs ils sont barbares. Ça y va, coup de fusil à pompe. Joli. Voilà, je crois que c'était joli. On a dû faire le ménage. La musique s'est calmée, donc c'est que c'est bon normalement. Pour l'instant, j'ai bien économisé le minigun. On va peut-être fouiller avant. Parce que vous en pensez. Il y a des balles. Je sais pas pourquoi, mais ça sent le piège à con dans le coin. C'est quoi, c'est la suite par là? Ça a l'air, non? On va d'abord appuyer sur le bouton. Alors, c'est Daisy. Trouver et détruisez la station de pompage principale. Ah non, mais ça, je le savais. Non, mais c'est bon, qu'importe. Non, mais je t'avais dit que c'était de la carrosserie ce truc. Ah, il a plus de tête. Il a perdu la tête. Bah, ben, mon pauvre gars. Ah, ils ont des P-Boys. Alors, où est-ce qu'on doit aller? Ah, c'était de l'autre côté. Il y avait une autre issue que j'avais pas vue. Mine de rien, voilà. On est monté, on descend, putain, mais le foutage de gueule. On se fout de notre gueule, ces jeux. Voilà, on fait péter. Enfin, y a pas de serrure. La musique revient, ça veut dire est-ce que ça va tirer? J'aurais peut-être dû le garder pour après, mais il en reste un à droite. Par la tête, pardon. Mec, il lance des bastos comme ça. Sérieusement. Alors, le truc, c'est qu'il y a plein de mouvements ici. Il y a toujours des trucs qui taffent en fond, etc. Alors, on a toujours l'impression qu'on va se faire agresser. Moi, c'est l'impression que j'ai à chaque fois. Voilà, j'entends des bruits de tubes ou je ne sais quoi. Ça pue l'agression. Oh, mais il y a forcément quelqu'un, je t'ai entendu. Mais où est-ce qu'il est, ce con? Ah bah il est là. Et pourquoi ça tire pas? Ah merde, j'ai plus de balles. Mais je vais crever. Bah oui, non mais voilà, mais pourquoi il l'a pas lâché cette fois-ci? Fusillaillon. Mais non, on vient au point de contrôle, mais c'est quoi cette arnaque? Bon, comme ça je serais mort au moins dans la deuxième vidéo aussi. Ah oui, appuyez sur Y pour le lâcher. Mais j'en sais rien moi. Le truc tout à l'heure, il me semble qu'il s'est lâché tout seul. Ouais, j'avais pas vu le deuxième cadavre.
Il est où ce con? Ouch. Tiens-toi bien. Oh. Respecte tes aînés. Ah, j'ai récupéré mon âme, donc un vrai zoom. Il y a toujours ce bruit de tube. Alors ici, ça pop à droite et à gauche. Ah non, mais ça tire là-bas. J'en ai eu aucun, mais ils sont sérieux. Toi, calme-toi bien déjà. Alors j'en ai vu un autre. Ouf, là. Oh putain quoi. Barbare les mecs. J'ai eu. Mais il en restait un autre. Les mecs ils tirent avec des fusils à pompe, ils sont encore plus précis que moi. Ah bah non, je l'ai tué. Pardon. Ah, il y en a un autre. Sérieusement. Quoi, il y en a un autre ou c'est lui qui me touche? Saloperie, paralyse quoi. Ouais, ils ont l'air assez débiles quoi. En fait, en gros, je pourrais revenir au départ et je serais tranquille. Mais c'est pas lui qui m'a touché. Ah mais eux ils disparaissent, c'est pour ça que j'ai cette impression qu'ils n'ont pas de corps. Il y a des drôles de bruit. Putain c'est horrible, on voit rien. Franchement on voit tellement rien ici. Une phase de l'angoisse. Voilà, je fais tout péter, c'est gratuit, c'est sur la route, ça fait sauter des trucs. Là, il y a des balles. Alors franchement, j'ai vu aucun rapport, j'ai trouvé un bonus. Il est resté un mec à droite. Qui a l'air ultra énervé. Ah, je me trompe. Alors, je crois pas que c'est par là, c'est justement pour ça que j'y vais. Et je me dis finalement, quoi que c'est peut-être par là en vrai. Allons nous cacher. Mais genre ça me touche quoi. Il y en avait un plus haut. Même deux. Voilà, calmez-vous. Moi je fais des boum badaboum. Mais qui c'est qui me touche encore, la saloperie là? Truc périmé. Où est-ce qu'il est ce petit con? Y a un truc qui me tire dessus depuis tout à l'heure et qui me fait du dégât en tout cas, je sais pas ce que c'est. Là faut m'expliquer. En plus il y a tellement de bruit, ouais, comme je disais, avec tous ces trucs qui bougent. Allez savoir, moi je vais monter. De toute façon c'est par là la suite, ça c'est clair.
Des balles. Ah bah le voilà. Voilà ce que je disais. Les mecs ils viennent à toi. Rien de leur courir après, moi je me promène. Je fais des promenades. Allez, on continue d'avancer. Ah mais c'est vrai qu'il y a aussi des boss dans ce jeu. Il me semblait que j'avais lu un truc comme ça. Je crois pas qu'il y en ait tout le temps quoi, mais il va y avoir quelques phases de boss normalement, me semble-t-il. Un peu comme dans Gears tout ça quoi. Son of bitch. Run bitch, ça sent le boss par contre là, non? Ah oui, il a un gros flingue. Il a une armure. Centurion Vorus. Ah, forcément, il est pas solo, le mec. Ce serait tellement trop simple. Bon, je l'allume pour l'instant qu'il bouge pas. Alors le truc c'est que je vais pas pouvoir me barrer si ça continue. Ah oui, il a des changements de phase. Ok. Demande finalement si c'est pas le petit qui est plus chiant que lui. Bah oui, fais gaffe. Bon, je l'allume tant qu'il tire pas. Il est bientôt mort. Alors là, je sais pas comment on va faire, on n'a plus de balles. À coup de batte, à coup de gaine. Ah, c'est pas le moment de mourir. Il est mort. Ah, j'avais dit, c'était pas le moment de mourir. Bon, ça va, lui, il est pas trop dangereux. Il aurait pu être chiant. Surtout ses ennemis. Mais genre, t'aurais dû rester au pistolet à eau, mon bonhomme. Il est sérieux, le mec. C'est bien, on a des petites scènes cinématiques. Tout fait péter, j'allais dire pomper. Et tout fait pomper, bah bien sûr, bah oui. Classique. Voilà, comme ça, c'est pour pas qu'il se barre avec le Prometheum. Waouh, le mec il a un grappin façon Batman. Ah bah j'ai bien fait de choisir ce jeu après notre dernier let's play. Ah ouais, on a eu un bonus zéro rapport. Ah ouais, non mais voilà quoi. Je veux dire là, bon, on a gagné 5% précision, on a mis à peu près pareil, un tout petit peu plus de temps. Bon, il y avait un boss. Mais voilà.
Et donc, eh ben, pour ce soir, on va se quitter ici. On reviendra sur ce jeu assez rapidement, je pense la semaine prochaine, ou peut-être demain, je ne sais pas encore, j'ai pas encore décidé pour demain. Mais c'est assez sympathique, hein, depuis une phase assez sympathique. Après, je pense qu'une fois que j'aurai fini le jeu, je pense que je m'en rappelle plus. Voilà, ça restera pas dans les annaux. Voilà. C'est la base, on aura oublié des FPS comme ça, c'est assez classique, mine de rien, même s'il y a un bon univers, etc. Mais c'est pas l'air le jeu de la vie. Il faudra que je regarde s'il y a des améliorations, par contre. Mais on a fini les deux premières missions et ça, c'est bien. Et donc, bah, je vous dis à demain pour un nouveau live. À la prochaine pour ceux qui suivront ce let's play. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, comme toujours. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.